C'est qui ça? Cette position-là, ce n'est pas idéal pour prendre de bonnes images. On va vous donner de bonnes images. Cher ami, vous aurez les images. Hein? Vous aurez les images. Mets-toi, tu auras les images. Merci, chers amis. Tu peux laisser rentrer, on avait dit 13h et un peu en avance. Chers amis, merci. Nous nous excusons pour les retards avec lesquels nous commençons par trouver des raisons techniques. Vous savez que c'est une conférence de presse qui passe en live sur la page Facebook de la Fédération Congolaise de football association. Et quant à nous vous demandons de mettre sous mode vibrer vos téléphones ou sous mode avion. Au nom du manager sélectionneur de l'OPA A, Sébastien Desabres. Nous vous souhaitons la bienvenue à cette conférence de presse, je crois la troisième de l'année, depuis qu'on a commencé l'année 2023, c'est à l'Oma des Masses, c'est avant la troisième pour la liste. Nous allons vous donner la parole pour vous annoncer la liste, mais avant ça, il y aura quand même un mot à vous dire. Merci. Merci Jerry. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. D'accord. Merci Jerry. Effectivement, je vous bonjour d'abord et merci d'être toujours aussi nombreux aux conférences de presse. Ça nous permet de vous donner. Ça fonctionne ? Un, deux.
1, 2, 1, 2. Non, je crois pas que ça fonctionne. C'est bon là? Oui, c'est bon. D'accord. On n'a pas le retour, mais c'est pas grave. Donc voilà, ah, oui, voilà. Là c'est nettement mieux. C'est nettement mieux. Donc ça permet effectivement de vous donner les informations. Et puis après, comme d'habitude, je vais vous donner les informations liées au stage, que ce soit au programme, à ce qu'on a comme objectif sur ce stage. Je donnerai bien entendu la liste des joueurs. Et puis après, on aura des questions-réponses comme d'habitude dans un temps imparti pour pas que ça dure non plus tout au long de la journée. Mais en tout cas, c'est important d'avoir un échange et ce sont des moments qui sont toujours importants. Alors, au niveau de la sélection, donc nous aurons un stage du 4 au 12 septembre avec deux matchs. Un match officiel, comme vous le savez, le 9 septembre au Stade des Martyrs contre le Soudan. Et nous irons jouer le 12 septembre à Johannesburg contre les Bafana Bafana, la sélection d'Afrique du Sud. À 17h, heure d'ici 15h GMT, encore voilà, ça peut bouger à une heure près encore, mais normalement ça tournera autour de ça. Forcément, ces matchs rentrent comme depuis que j'ai pris la sélection dans le cadre de notre double route, comme je l'ai souvent expliqué, à la fois un match qui est dans le cadre de réaliser l'exploit qu'on s'était fixé il y a un an en arrière, puisqu'on partait, je vous rappelle, avec 0 point dans ce groupe, et qu'aujourd'hui, notre objectif était de rendre ce match du Soudan à domicile décisif pour la qualification. C'est ce que les joueurs et le staff et tout le monde ont réussi à faire, en sachant que ce premier match est maintenant décisif pour la qualification et il est à prendre très très au sérieux et ça nous appelle à beaucoup de rigueur, beaucoup d'humilité pour pouvoir essayer de se qualifier et terminer ce premier travail. On sait que un travail, il est le plus difficile, c'est de le finir. On peut très bien travailler, ainsi de suite, c'est de le terminer. Donc et c'est le message que j'aurai aux joueurs, c'est le message que j'ai déjà eu avec mon staff dans différentes réunions de préparation qu'on a fait pour ces sélections, c'est le message de rigueur et d'humilité, parce que on aura un match décisif à jouer avec, on va dire, beaucoup de volonté, beaucoup de d'impatience quelque part, mais on va jouer une équipe qui est une équipe qui nous a battu au match aller, qui a battu le Gabon également dans ses qualifications et qui également peut se qualifier. Donc c'est une équipe qui est une bonne équipe et sur laquelle nous va falloir qu'on soit prêt à faire un très très bon match pour pouvoir aller à la prochaine CAN en Côte d'Ivoire, on va dire continuer à faire plaisir à nos fans pour en montrant une bonne image de la sélection et puis de faire mieux que la dernière fois, puisque la dernière fois la RDC n'avait pas été à la CAN. Donc ça, c'est un des premiers objectifs qui est là devant nous grâce au travail des joueurs, grâce au travail de mon staff, grâce au travail également de la fédération et du soutien du ministère pour qu'on puisse à un moment donné se remettre en état de marche, ce qui est le cas aujourd'hui. Ce que je ne veux pas, c'est qu'il y ait un manque d'humilité. Les matchs sont tous difficiles en Afrique. Ça sera un match compliqué, ce sera un match difficile. Et que de toute manière, si on ne fait pas une bonne prestation sur le terrain, on n'aura pas de résultat au bout. Donc il n'y a que dans le travail, que dans la rigueur, que dans le sérieux, qu'on arrivera à cet objectif qui peut être
forcément, pour tous les amoureux du football congolais, une très bonne étape dans notre étape de marche. Et après, il y a ce match en Afrique du Sud qui est un match amical. J'aurais pu très bien choisir simplement de faire ce match qu'un match contre le Soudan ou de mettre éventuellement un match avant le match du Soudan, mais on a estimé et j'ai estimé que on devait avoir un minimum de 5 à 6 séances sur le terrain des martyrs pour pouvoir préparer ce match. C'est pour ça que on ne fait pas de match amical avant. On a un plan de jeu, on a une stratégie à mettre en place avant le match du Soudan et qu'après, par contre, on basculera immédiatement sur la deuxième voie, le deuxième objectif qu'on s'est fixé il y a un an maintenant, qui est de voir des joueurs encore en situation, de tester certaines choses et puis de commencer à jouer des équipes qui sont voilà, d'un niveau qui nous permettront de nous jauger aussi par rapport à cette équipe dans l'optique des prochaines qualifications en Coupe du Monde au mois de novembre. Voilà un petit peu les objectifs à travers ce stage. Donc il y a beaucoup de travail, beaucoup de choses à faire. C'est une période aussi un peu délicate pour certains joueurs parce que vous savez que les dates au mois de septembre, on a des joueurs qui sont sans club, on a des joueurs qui sont en instance de transfert. Il y a différents paramètres pour construire une liste qu'on doit prendre en considération. Ces paramètres, on les a pris en considération. En tout cas, c'est toujours une période, tant que les mercatos en Europe se ferment, qui est toujours pas un peu difficile, mais il faut être très attentif, nous, pour pouvoir avoir des joueurs qui soient en forme et en rythme pour les échéances que nous avons. Après, au niveau de la liste, avant de l'annoncer, moi, l'objectif, et comme je vous ai dit, c'est de garder une certaine ossature qui a travaillé déjà depuis quelques stages avec l'équipe. Hein, on aura au mois d'octobre deux matchs qui seront des matchs amicaux, où là, il sera le temps peut-être de voir certains joueurs qui n'ont jamais été appelés ou certaines choses. En tout cas, là, c'était le mot d'ordre, c'est de garder une certaine ossature parce qu'elle a été performante sur le match du Gabon, elle a été performante en Mauritanie. On travaille dans une atmosphère de travail très très professionnel. Donc, bien sûr qu'il y a des choix. Il y a des joueurs qui vont sortir de la liste, il y en a d'autres qui vont rentrer. Mais le message que je veux passer aujourd'hui, c'est un message de satisfaction de ceux qui sont venus et de garder certains repères, notamment pour ce match décisif contre le Soudan. On a un joueur qui ne sera pas dans la liste pour cause de suspension, qui est Aaron Tchibola, qui est un joueur qui a pris son deuxième carton jaune au Gabon, donc qui ne sera pas appelé pour cause de suspension. Voilà, je pense que c'est les messages que je voulais faire passer. Maintenant, je pense qu'il est temps de pouvoir passer à la liste. Il y aura 27 joueurs convoqués. Certainement, dans les prochaines sélections, il y en aura un peu moins. Mais aujourd'hui, on me donne la possibilité de prendre jusqu'à 27 joueurs. Donc, dans le cas de la construction de l'équipe, de l'évaluation, on appelle 27 joueurs, surtout qu'il y aura encore 27 joueurs. Alors, au niveau des gardiens de but, trois gardiens de but sont convoqués pour le mois de septembre. Donc, nous avons Esdras Kabamba de Bravo de Maki en Angola. Nous avons Siadi Badjo Tepe Mazembe, Congo. Et Lionel Mpazi, Rodez, France. Ce sont les trois gardiens. Au niveau des défenseurs, nous avons Gédéon Kalulu de Lorient, France. Jordan Ikoko, Paphos. Nous avons Vital Nsimba, Bordeaux, France. Arthur Masuaku, Beşiktaş, Turquie.
Rocky Bouchiri, Hibernians, Écosse. Chancel Mbamba, Olympique de Marseille, France. Dylan Batoubinsika, Saint-Étienne, France. Et Inonga Baka, Simba, Tanzanie. Ce sont les défenseurs. Au niveau des milieux de terrain, nous avons Peli Rudok Mpanzu de Luton, Angleterre. Nous avons Edo Kayembe, Watford, Angleterre. Nous avons Nuke Mpulu, Las Palmas en Espagne. Nous avons Samuel Mutusami, Nantes, France. Charles Piquel, Cremonese, Italie. Silas Stuttgart, Allemagne. Théo Bongonda, Spartak de Moscou, Russie. Shadrach Akolo, Saint-Gall en Suisse. Gaël Kakuta, Amiens, France. William Balikwisha, Standard Liège, Belgique. Meshak Elia, Young Boys de Berne, en Suisse. Ce sont les milieux. Même si certains peuvent jouer attaquant également. Au niveau des attaquants, nous avons Fiston Mayele, Pyramide, en Égypte. Vous savez qu'il a été transféré à Pyramide. Nous avons Aldo Kalulu, Partizan de Belgrade, en Serbie. Nous avons Cédric Bakambu, Galatasaray, en Turquie. Nous avons Jackson Muleka, Beşiktaş, en Turquie. Et nous avons Johan Wissa, Brentford, en Angleterre. Ce qui comble la liste à 27 noms. Voilà. Je te laisse apprendre. Merci. Après la liste, on va avoir quelques questions, des précisions au coach, comme ça on va terminer la journée. Voilà, elle est la soupe. Il peut même pas parler. Nico. On y va ? Oui. Commence. Est-ce que vous avez des questions ? Oui, allez-y. Ça, c'est pour le micro de YouTube. Je répète une question par personne. Oui. Une question par personne, hein. Une seule question, parce que nous sommes tellement nombreux. Coach, c'est Christian Vital, Motorum, de la télévision nationale. Bonjour. Je commence par vous féliciter par rapport au dernier dans votre speech, vous n'avez pas fait allusion à certains joueurs nationaux qui hésitaient jusque-là. Une seule question. Là, c'était juste. C'est pas une question. Là, maintenant, je pose ma question. On voit dans la liste, surtout en ce qui concerne les gardiens, Joël, cette question n'est pas parmi les compliqués, et pourtant, il va toujours être dans l'effectif. Alors, j'en ai parlé un petit peu. C'est-à-dire, je vous disais que effectivement, il y a quelques joueurs sur lesquels on est très contents avec les joueurs qu'on a depuis un an. Ça progresse bien. Maintenant, on est toujours une sélection, on est toujours ouvert à être attentif à des joueurs qui pourraient venir nous rejoindre comme des binationaux. Je sais à qui vous faites. Vous faites allusion, mais comme je l'ai dit, il y aura des matchs au mois d'octobre qui seront que des matchs amicaux. Là, on est lancé dans un objectif pour terminer un premier objectif. On doit s'appuyer sur une certaine ossature parce qu'on a des repères vers certains joueurs. On a quelques joueurs, effectivement, qui sont binationaux, qui ont fait le choix de rejoindre
de rejoindre la sélection, ou qui ont émis le choix de rejoindre la sélection, qui ne sont pas ceux auxquels vous pensez, il y en a d'autres, et cela on se posera la question sur le mois d'octobre, en fonction des performances qu'on verra. Il y a quand même un joueur qui fera sa première sélection, qui est Charles Piquel, qui est un joueur qui qu'on suit, que je connais depuis pas mal de temps, qui est un moteur 6-8 au milieu qui peut, à mon avis, nous rendre des grands services, à lui de montrer de quoi il est capable sur ce prochain stage, mais d'en intégrer beaucoup plus. Alors que l'objectif est quand même ce match du Soudan, c'est pas le choix qu'on a fait. Après, au niveau de Joël, Joël, c'est quelqu'un d'important, vraiment d'important pour la sélection. C'est quelqu'un qui malgré sa suspension, nous a toujours suivi sur le dernier déplacement. Après, le problème de Joël, c'est qu'il n'a pas de club actuellement. Ça fait maintenant plus de 3 ou 4 mois qu'il n'a pas joué, puisqu'il avait eu une blessure aussi en fin de saison dernière. Et que forcément, avec autant de temps d'inactivité, c'est compliqué. Surtout quand on a été satisfait des gardiens qui ont fait le dernier stage au Gabon et au Cameroun. Et c'est évident qu'un Joël Kasumbwa opérationnel et jouant régulièrement à sa place en sélection. Oui. Voilà, merci bien pour la parole. Merci bien pour la parole. Coach, c'est Michel Momo, journaliste sportif de l'équipe professionnelle. Alors, j'aimerais poser une petite question concernant Tissa, qui fait partie de l'équipe de la Congolaise. Les aspects de performance individuelle et collective du club pour le jeu évolu. Tissa qui a bien commencé cette saison avec son interprétation. Et qu'est-ce qui justifie son absence pour cette équipe? Déjà, ce qui justifie, c'est la prestation de l'équipe sur les derniers matchs. C'est la première des choses. Quand on a la chance de trouver un certain équilibre dans certains secteurs du jeu, c'est important. On a fait deux matchs qui étaient plus ou moins intéressants en Ouganda et au Gabon où on n'a pas pris de but. Donc il y a une certaine continuité de travail avec ceux qu'on a actuellement. Après, on fait partie des joueurs également qui peuvent être à un moment donné appelés en fonction des besoins qu'on pourra avoir. À lui de rester performant. La porte, elle est fermée pour personne. Mais aujourd'hui, on est dans ce secteur-là. On est plutôt satisfait des joueurs qu'on sélectionne. Alors, c'est bien, merci pour cette question, parce que, malheureusement, on en est dans l'ère des médias sociaux et des gens qui peuvent écrire ce qu'ils veulent tout le temps. Personnellement, je connais la véracité des choses, des contacts qu'on a, du travail qu'on fait. Des fois, ça me fait beaucoup sourire ce que je vois, parce que il y a des organes qui se permettent de donner des informations sans vérifier les sources, malheureusement. Et non, Kalimwendo, je n'ai pas eu de contact avec ce joueur. C'est un joueur qui est intéressant, c'est un joueur qui a la double nationalité, mais quand on joue en équipe de France titulaire et qu'on avait le choix de changer, ce qui n'est pas forcément non plus peut-être vrai au niveau de sa position, on le fait savoir. Nous, en tout cas, ce qu'on cherche, ce sont des joueurs qui sont à 150% pour le Congo et pour l'équipe nationale. C'est ça notre... le jour où Kalimwendo voudra jouer pour le Congo, il le fera savoir.
Et puis voilà, mais même lui, il est au centre de ça. Mais en fait, il n'y a eu aucun échange entre le coach et Kalim Mwendo. On lui souhaite le meilleur pour lui actuellement. Et nous, on est content avec les attaquants qu'on a actuellement. Et si demain, il ferait le choix de venir rejoindre le Congo, ben, on aurait une discussion parce que c'est un joueur de qualité. Alors. Allez-y. Bonjour coach, c'est GD Coupeur de Côte d'Ivoire sur cette fois-ci. Coach, sur votre liste, j'ai vu les noms de Enoch Ivonga, défenseur de Simba de la Tanzanie. Mais après les dernières nouvelles, il a été blessé. Et le défenseur a été blessé, il ne sera sûrement pas 100%. Comment justifiez-vous déjà sa présence sur sa liste? Alors, là, pour répondre à la première question, donc déjà, ça fait partie, ça, des éléments qui sont. Voilà, qui sont. Que vous affirmez sans savoir en fait. Mais c'est pas grave, ça fait partie de la chose, c'est normal que vous n'ayez pas le même niveau d'information, vous, que moi, d'accord? Mais sachez que quand un joueur est blessé, même si on n'est pas dans un stage de préparation, même si on n'est pas, nous avons un médecin, notre médecin, qui est basé sur Strasbourg, effectivement, qui contacte tous les joueurs et qui ont un rapport des joueurs qui sont en contact avec tous les clubs des joueurs. Donc pour Baka, il avait simplement mal à l'épaule, il est sorti, il a repris les entraînements collectifs avec tout le monde et il n'y a pas de contre-indication, il sera à 100% pour je souhaite qu'il soit à 100%, maintenant il y a encore quelques tout le monde va faire, on est le 24, ils vont arriver le 4. Je souhaite que tout le monde soit safe sur ces périodes-là. Mais on sait qu'il y a des matchs qui vont jouer en Ligue des Champions, comme il y a, il va y avoir des matchs costauds, donc j'espère qu'on aura tout le monde sans blessure. Mais quand vous affirmez que Baka ne sera pas à 100% pour le stage... Oui, on sait que ça fait deux matchs qu'il n'a pas joué. Et on sait aussi qu'il s'entraîne avec tout le monde et qu'il a plus mal et qu'il va jouer les prochains matchs. Voilà. Maintenant, sauf s'il se reblesse demain, mais ça, c'est... Voilà. Et puis un joueur qui serait blessé, vous devez savoir, on n'a pas communiqué, mais il y a 12 jours, on a envoyé une liste de 41 joueurs présélectionnés. Donc tous les clubs ont reçu... une préconvocation qui nous permet demain de se dire ben voilà, on a un blessé, ben on en reprend un autre. Et ça, je pense que c'est une vraie force du Congo. Aujourd'hui, c'est une vraie force du Congo. Je discute avec des amis qui sont sélectionneurs de grandes sélections et ainsi de suite. Bon, ben, des fois, ils ont 25, 26 joueurs et puis c'est difficile pour eux. Nous. On a, demain, j'ai un arrière droit qui est blessé, je vais en prendre un autre, j'ai un défenseur. Bon, donc, mais effectivement, sur cette période-là, la mission de mon staff médical, parce qu'ils ont des missions, on travaille, je ne vais pas vous expliquer tout, mais avant cette liste-là, on a fait des réunions en visio qui fonctionnent très bien. Hein, vraiment très très bien, avec que ce soit sur l'aspect technique, que ce soit sur l'aspect médical, par Zoom, hein, on travaille avec tout le monde et on fait bien sûr le point sur tout le monde, on a tous les joueurs avant, et ainsi de suite. Voilà, c'est notre métier, c'est tout à fait normal. Maintenant, on ne sait pas ce qui va arriver, on n'espère rien, parce qu'on a décidé cette liste-là. Mais s'il devait arriver quelque chose, on sait qu'on a le potentiel pour remplacer, donc on n'est pas inquiet. Merci pour votre question. Très bien. On commence par la dame. Bonjour. Je m'appelle Vanessa. Bonjour. Mobilisation par rapport à
merci pour votre question. Ben, c'est le message, on l'a initié depuis un an maintenant aux fans, parce qu'on voulait rendre ce match décisif à Kinshasa pour que ça soit une grande fête et que tout le monde puisse voir leur sélection nationale, parce que c'est leur sélection nationale avec leurs joueurs et leurs stars à Kinshasa dans un match. Ça, c'était dans un match décisif. Et donc, forcément, le soutien, l'ambiance, la manière dont vont être poussés notre équipe du joueur va être décisif sur le match du Soudan. Voilà, ça, nous, on le sait. Donc, on est extrêmement contents de jouer au stade des Martyrs, parce que ça fait un petit moment que la sélection nationale n'a pas fait un match à Kinshasa. Comme on était très contents d'aller à Lubumbashi pour le match de la Mauritanie, parce que ça permettait également d'être dans un autre contexte et de pouvoir faire voyager l'équipe nationale. Aujourd'hui, c'est à Kinshasa, c'est quelque chose que je voulais, voilà, que pareil, le président de la République, le ministre, le président de la fédération voulaient également. Tout a été mis en œuvre pour que ça soit homologué avec beaucoup de travail de tout le monde. Je vois quelques critiques à droite, à gauche, toujours sur les réseaux sociaux, ce qui est facile, mais la réalité, c'est de travailler et de mettre tout ça aux normes. Et quand je vois, j'ai été visité, hein, les travaux qui sont en cours, quand je vois le travail qui a été fait au vestiaire, dans les couloirs, dans la salle de presse, dans le doping, dans les trucs des premiers soins, c'est un standard qui est excellent. Donc c'est ça qui est bien. Il faut que ça soit une réussite sur ce match. Donc il faut que chacun joue sa partie, les fans en supportant l'équipe, et surtout aux joueurs de donner une bonne image de notre équipe et de faire plaisir aux fans sans manquer d'humilité, parce qu'un match de foot est toujours compliqué à gagner. Bonjour coach. Bonjour. C'est d'ailleurs un débat à suivre. En fait, ma question est, vous avez annoncé deux matchs radicaux, mais pour autant, bien que la petite compagnie vous avez annoncé, est-ce qu'il y a un autre pays? Non, la première question, je vais répondre à la première question. C'est-à-dire que je disais que vous savez qu'il y a ces dates FIFA qui sont en septembre, il y a une date FIFA en octobre, une date FIFA en octobre et une date FIFA au mois de novembre. Je laisse la... Je réponds. Si tu as une deuxième question, on va la faire. Mais attends, écoute la réponse de la première question déjà. Donc, comme ça, tu seras au courant. Au mois d'octobre, il y a d'autres dates FIFA qui commencent à partir du 9 octobre. Cette date FIFA du 9 octobre, il y a deux matchs qu'on a possible à faire, deux matchs, mais c'est deux matchs amicaux. Il n'y a pas de match de qualification, de compétition. C'est la FIFA qui décide. D'accord. Et au mois de novembre, il y aura deux matchs officiels qui seront les premiers matchs de qualification de la Coupe du Monde. La journée 1 et la journée 2 au mois de novembre. On commence la qualification de la Coupe du Monde dans le groupe où on est tombé, vous le savez, avec le Sénégal, la Mauritanie, le Togo, le Soudan du Sud. On n'a pas encore le calendrier du mois de novembre. On ne sait pas contre qui on va jouer encore. Peut-être le Sénégal, peut-être la Mauritanie, on ne sait pas. D'accord ? Donc je parlais des quatre matchs amicaux, des deux. Après, c'est parce qu'au mois d'octobre, on aura deux matchs amicaux sur lesquels on est en train de travailler aussi. Ça va arriver vite hein, quand même. Voilà, et vous serez informé en temps et en heure du lieu et des adversaires. Première question. Deuxième question. J'ai déjà répondu à cette question, on me l'a déjà posée. Merci. Heureux un an comme sélectionneur national.
Vous avez parlé tantôt que le match amical contre la structure inscrivait pour le second projet, d'ailleurs le projet phare de votre venue ici à Réalisé. On sait que lors du tirage au sort, on est dans le même groupe qu'un mondialiste, un champion d'Afrique en titre. Et il y a une question. On commence avec l'Afrique du Sud pour ce grand projet. Est-ce que Sébastien de Sabre a déjà une idée de la catégorie des nations à laquelle la RDC doit affronter pour mieux préparer l'Afrique du Monde pour savoir prendre tout ce qui sort de la RDC? Oui, c'est dans ce cadre-là, hein, d'ailleurs. Hein, maintenant, dans ce cadre-là, ça va me permettre de voir des joueurs, d'avoir un peu de temps de jeu. C'est un peu la même chose qu'on avait fait contre l'Ouganda avant le match du Gabon, mais dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on va jouer après un match officiel. Bon, c'est important aussi de jouer contre des équipes qui ont des ambitions, comme vous l'avez dit. Et surtout aussi dans un contexte de stade, aussi, qui permettait aux joueurs d'être dans les meilleures conditions, ce qui sera le cas dans le stade de Johannesburg. Et après, derrière, on travaille effectivement sur des adversaires qui... Voilà, après, il y a entre ce qu'on veut faire et ce qu'on peut faire. Des fois, on doit s'adapter aussi. Mais l'objet, ça serait effectivement de jouer des équipes qui seraient susceptibles de nous mettre en difficulté pour qu'on progresse. Ça sera un peu l'objet du mois d'octobre. Est-ce qu'on pourra le faire ou pas? Avec, effectivement, l'idéal serait déjà de faire peut-être avec des équipes qui ont déjà vécu la Coupe du Monde. C'est ce qu'on travaille à faire pour les mois d'octobre. Je ne peux pas tout dire, mais en tout cas, on y travaille, on est organisé pour y travailler, une société s'en occupe. Voilà, mais en tout cas, ce que je ne veux pas, c'est aller trop vite sur l'attention qu'on peut avoir. Notre attention, c'est de se qualifier à la CAN aujourd'hui. Ce n'était pas la même chose il y a un an, comme vous l'avez dit, parce qu'il fallait faire un exploit. On ne l'a pas fait. Mais on est proche de le faire. Donc ce que je veux, c'est vraiment concentrer toutes les forces vives sur ce match du Soudan, faire un bon match, montrer qu'à Kinshasa et aux supporters, ben, on a progressé, on est là, et qu'on peut passer à une autre étape. C'est ça notre... Et après, sur l'aspect de coach, je le vois un petit peu plus loin, c'est-à-dire que si on se qualifie à la CAN, je dis bien si, parce qu'il y a un match à jouer, il faudra être bon, ça pourra laisser quand même un mois et demi, peut-être deux mois, de vivre ensemble, de s'entraîner ensemble, de former une équipe ensemble de janvier à février. Et ça, pour un coach, pour les qualifications de la Coupe du Monde, c'est aussi quelque chose de positif, parce que finalement, les joueurs, on les a pas tant que ça. On les a sur une préparation. CAN, c'est 15 jours de préparation avant une compétition dans les règlements FIFA. Voilà. Mais comme je le dis, déjà on est focus sur le match du Soudan. C'est un match décisif. Ça va être une équipe qui va devoir prendre des risques parce qu'elle peut se qualifier aussi. En nous battant, elle serait qualifiée. Donc en faisant un match nul, elle serait éliminée. Donc ce sont des éléments tactiques aussi à prendre en compte dans la préparation du match. On sait ce qu'on a à faire. On va bien préparer le plus sérieusement possible. On va parler que de ce match du Soudan, et puis après, on verra ce qui se passe. Merci. Merci pour la parole. Je pense que c'est le début de votre direction. Coach, parlons du Soudan. Est-ce que vous avez des informations au sujet de cette formation? Excusez-moi. Oui, bien sûr. Hein, c'est fait partie des... Déjà, ça fait partie de nos tâches de travail. Donc, on connaît très bien cette équipe. On a vu cette équipe, on a vu ces matchs, le montage vidéo est prêt, on connaît les possibilités qu'il peut avoir de système de jeu, on essaye de connaître les joueurs. Bien sûr, ça, c'est notre rôle. Mais comme je l'ai dit, le plus important, le 9, ça sera que nous, on fasse un grand match. Que nous, on fasse un grand match avec beaucoup d'envie, beaucoup de motivation, beaucoup d'abnégation pour pouvoir remporter ce match.
Mais ça, dans le, bien sûr qu'on connaît bien cette équipe du Soudan. Mais on se concentre avant tout sur nos propres forces. Isaac, je me nomme Isaac Bonza, chef de sport et studio Saint-Thomas-là. Donc je vais être beaucoup plus focus dans le match. Lors de la dernière rencontre face au Gabon, on a fini le match avec un certain Fiston Maeleka à l'attaque. On a vu ce qu'il a pu apporter. Et maintenant, avec le retour de Cédric Bakambu, qui certes n'a pas encore commencé officiellement avec son équipe, vous pensez que son retour. Qui n'a pas commencé, pardon ? N'a pas encore commencé avec son équipe officiellement. Ah, si, ça. Il a déjà joué à Galatasaray plusieurs fois, là. Cédric Bakambu. Oui, c'est vrai. Il est là. Bon, c'est pas grave, mais pour ton information, il a joué en Ligue des Champions, il a joué en championnat, il joue. Hier, il n'est pas rentré, mais il joue. Hier, il n'a pas joué. Voilà. Avec le retour de Cédric Bakambu, vous pensez que ça risque de chambouler votre plan de jeu? Alors, je vais vous répondre. Bon. C'est donc déjà vous faites une erreur sur Cédric, mais c'est pas grave, ça peut arriver. On est très content de récupérer Cédric, hein, puisqu'il n'était pas là contre le Gabon pour cause de suspension. Il est dans un très bon club, hein, Galatasaray. Il a forcément commencé à jouer. Il y a beaucoup de concurrence et il le sait. Mais après, chambouler. Je ne sais pas si ça doit chambouler. En tout cas, ce qui est important, ça sera de sentir sur les entraînements, avant les matchs, qui sera le joueur le plus à même de commencer. Et comme je le dis souvent, et c'est encore plus vrai pour les attaquants, souvent, c'est que ceux qui ne démarrent pas le match, ce ne sont pas des remplaçants, c'est des finisseurs. C'est-à-dire, c'est des gens qu'à un moment donné, il y en a un qui fait le travail et l'autre le finit. Et c'est ce qui s'est passé au Gabon, en fait, parce que quand on voit l'activité de Wissa et qu'après Maïele vient finir le travail, voilà. Donc, mais en sélection, que ça soit Cédric, que ça soit tout le monde est dans un bon état d'esprit. Tout le monde sait qu'il est à la disposition de l'équipe. Bien sûr, tout le monde a envie de jouer, mais d'abord, tout le monde a envie que l'équipe se qualifie. C'est ça l'important. Léonard Calombo. Coach, je sens un nouveau discours à la fin de votre premier objectif, qui est le match contre le Soudan. Vous vous dites qu'il va falloir montrer ce que de quoi votre équipe est capable, c'est une équipe qui est en progression, contrairement au discours que vous aviez dans le temps, lorsque vous disiez que tous les joueurs étaient considérés au même niveau, tous les joueurs, il n'y a pas de cadeau pour vous dans l'équipe nationale, tous les joueurs seront considérés de la même manière. Mais aujourd'hui, là, est-ce qu'avec cette progression, on peut dire que les portes se referment un petit peu pour d'autres joueurs par rapport à leur accès à l'équipe nationale, surtout qu'on voit certains joueurs qui ne sont plus sur la liste, mais d'autres qui sont. Oui, bon, c'est une bonne question. C'est sûr que plus les regroupements se font, plus il y a des habitudes de travail, plus il y a des choses que les joueurs connaissent, plus on voit leur performance. Donc on sait sur qui s'appuyer. Alors une sélection, vous savez, c'est jamais fermé, hein, parce que tout peut arriver pour un joueur. Un joueur aujourd'hui, il est sélectionné. Là, il y en avait certains qui. Voilà, on prend le cas d'Amalé, par exemple, qui a fait un très bon match au Gabon. Il n'a pas de club, il ne s'est pas entraîné depuis 3 mois. Sa situation fait que il sort de la liste. Donc, ce n'est pas parce qu'on est dans la liste régulièrement qu'on est sûr d'y être. Maintenant, il faut rester performant. Après, par rapport à un projet de jeu, par rapport à ce qui se passe et en termes de progression, une progression, de toute manière, ce n'est pas parce qu'on progresse qu'on sait tout faire. Donc il y a encore de la marge de progression. Cette marge de progression, elle peut être réalisée avec les joueurs qui sont actuellement avec moi régulièrement et qui progressent, et puis avec d'autres joueurs qui vont nous amener une valeur ajoutée pour encore plus progresser, ce qui sera le cas, je pense, dans les futures sélections. Je ne pense pas que
depuis que je sois là, j'ai repris les 27 joueurs, les mêmes, d'un stage à l'autre. Donc il y a toujours un petit peu de variation. Maintenant, ce qu'il faut reconnaître, c'est que ceux qui sont convoqués pour ce stage, à eux d'être très performants. Et si tu es très performant pendant un stage et que ton équipe a eu des résultats positifs, tu as certainement plus de chances de faire partie de la prochaine liste que d'autres. Ça, c'est une réalité, mais ça, c'est la performance sportive. Voilà. Bonjour, coach. Bonjour. Je suis Paé, des Mouvements de Médias. Pour ma première question, c'est de savoir quel est votre projet avec vos locaux. Et la deuxième, en cas de qualification, vous aurez une énergie comme Ben Malango qui s'est rétabli. Vous allez porter sur Ben Malango ou vous allez rester sur ces prix vacants et d'autres. D'accord. Pour la première question, c'est bien que vous puissiez. Alors, au niveau des locaux, quel est le projet au niveau des locaux? Moi, le seul projet que je peux avoir au niveau des locaux, c'est d'aller voir des matchs de championnat qui se jouent régulièrement. C'est ça moi, mon projet. Donc, j'espère, hier, j'étais à l'ouverture du championnat. Quand je vais être disponible, je vais être sur un match. C'est important pour voir. Pour voir les joueurs, pour apprendre à les connaître, pour voir leur évolution. Aujourd'hui, tous les clubs n'ont pas joué depuis pas mal de temps. Donc il faut refaire repartir la machine. Voilà, on sait que, de manière, je discutais avec les entraîneurs, que ce soit Eric ou que ce soit Kimoto, du match d'hier. C'était un match d'un bon niveau hier. Maniema. Contre les aigles du Congo. C'était. Alors, il y avait une équipe qui était un peu plus avancée sur l'aspect physique. Voilà. Mais. Donc, je me dis, et c'est ce que j'ai dit aux entraîneurs, si ça joue régulièrement, on s'entraîne régulièrement, ça joue régulièrement, il y a joué et joué. Hier, on ne peut pas se satisfaire que le championnat ait démarré dans des conditions de stade comme ça pour les joueurs et les entraîneurs. Moi, je suis de la partie technique. Je m'occupe que de la partie technique. J'analyse que ça. Moi, je suis pas au courant de ce qui peut se passer à l'extérieur. Mais quand je vois la qualité de certains joueurs hier, ils doivent être considérés, pour moi, dans des conditions sportives autres qu'un terrain synthétique avec un grillage déchiré, avec ci, avec ça. C'est pas à la hauteur des valeurs des joueurs du Congo. Donc ça c'est important que on puisse le championnat puisse redémarrer normalement entre guillemets et qu'on soit là. Nous on a toujours été là avec mon adjoint Raphaël sur les matchs à suivre, les coachs, voilà, on essaye de bien sûr que dès qu'il va y avoir un local qui mérite d'eux, eh ben, ça sera un plaisir pour tout le monde et d'abord pour moi. Mais d'abord il faut jouer et vous voyez des joueurs comme par exemple Lidepo qui est en instance de transfert en France. Il est ici à Kinshasa depuis pas mal de temps maintenant. Il ne s'entraîne pas, il ne joue pas. Là, on parle du très haut niveau en sélection nationale, du très très haut niveau. Donc le très haut niveau, si tu ne t'entraînes pas pendant 15 jours, 3 semaines ou que tu n'as pas de club et ainsi de suite, tu ne peux pas être au très très haut niveau. Et c'est ce qui se passe avec malheureusement le championnat du Congo quand vous ne jouez pas. Donc après, on essaye d'aider au maximum. Vous l'avez vu, le dernier stage, j'avais ouvert la porte à Otis Ngoma, le sélectionneur des locaux, pour qu'il puisse voir comment nous on préparait, assister aux réunions techniques, pour qu'il y ait aussi un peu des relations entre tout le monde. Nous, sur l'aspect technique, on essaye d'aider au mieux, sans perdre notre objectif, qui est notre objectif, c'est d'être performant avec la sélection A, parce que c'est un moteur du développement du football congolais. Voilà ce que j'ai à dire sur les locaux. J'ai oublié une question, non? C'est laquelle, la deuxième question? Ah oui, bah Ben, je l'ai eu au téléphone, hein. Donc effectivement, il a eu une blessure au pied, vous savez qu'il s'était fait opérer, et puis bah, il faisait partie de la liste des 41 qu'on a envoyé en présélection. On a regardé ses matchs, il manque pas mal de rythme encore, hein. Il commence juste avec son club.
pareil, ça fait partie des joueurs qui sont sélectionnables, mais il faut qu'il enchaîne des matchs. Ça fait un petit moment qu'il n'avait pas enchaîné des matchs. Coach, bonjour. C'est Brian Boum pour le compte de Unico Sport CD. Ma question, c'est de savoir, un dernier match dans la capitale, est-ce que c'est pour vous une source d'une pression particulière? Alors, pression, nous, la pression, les joueurs, ils l'ont à chaque match. Voilà, c'est une pression, mais cette pression, ta pression négative est positive. Il faut que ça soit une pression positive. Il faut que personne n'oublie que les joueurs qui ont démarré avec moi sont partis avec zéro point. Donc, on est là pour, on va dire, offrir cette possibilité à tout le monde d'avoir un très bon match le 9 septembre. Nous, on le voit comme ça, donc c'est positif, quelque part. Voilà, c'est positif. Après, un match de foot, il faut être bon, il faut bien te préparer, il faut être rigoureux. Moi, j'ai confiance en mes joueurs, je sais ce qu'ils veulent faire avec la sélection, je sais les ambitions qu'ils ont pour la sélection, et ils ont de très grosses ambitions à se qualifier pour la CAN. Donc on va bien se préparer, on va prendre cette pression positive, et puis après on va attendre le soutien de tout le monde au stade pour nous encourager, pour être derrière l'équipe dans les bons moments et dans les mauvais. Et puis à la fin, ce qui sera important, c'est de donner cette qualification au peuple congolais, parce que ça va donner beaucoup, beaucoup de choses positives. Attends, tu peux répéter, j'ai pas compris. C'est énorme, c'est pour le roi foot. Pour Dieu, je suis connu une interne saison passée de 4 avec une place de titulaire perdue depuis un moment. Alors, comment justifiez-vous sa sélection et le sommet de faire de passer à cette équipe? Roky Bouchiri, c'est quelqu'un qui a fait un très bon stage au Gabon, qui est effectivement, il joue pas en championnat parce qu'il est suspendu 3 matchs dû à une erreur administrative de son club, en fait. Et donc pour les matchs de européens, le coach préfère faire ça, et il y a peut-être une instance de départ. Donc voilà, je vous avais dit, il y a des situations qui sont un peu compliquées. Il y a certains joueurs qui jouent et qui vont peut-être changer de club encore. J'en suis sûr qu'il y en a au moins un qui va changer de club dans la prochaine semaine, normalement. Et puis il y a d'autres joueurs, on peut citer le cas de Lusamba aussi, hein, qui était en instance de transfert, qui était en instance en litige avec son club, et puis finalement il ne faisait pas jouer, donc il a perdu du temps de jeu, et puis là ça vient de se débloquer avec un prêt en Turquie. On était contents du stage de Roky sur le Cameroun, même si il n'avait pas participé au match. Peut-être une dernière question. Oui. Bonjour, c'est Cody. Bonjour. Je suis futur médaillé technique pour Jeanne d'Espérance, une presse écrite. Je m'excuse d'abord, je vais parler en tant que fan. Je ne vais pas être trop spécifique. Il y a un nom que vous n'avez pas cité depuis que vous êtes là. Pourtant, un nom qui a beaucoup fait le pays de Congoli, Bolassi. Il a fait une saison remarquable l'année passée. Je voulais juste vous demander si vous avez un jour passé à penser à lui, puisqu'il est en train de vieillir. Pour moi, il mériterait même une récompense. Merci. Ouais, merci pour la question de fan. Non, comme je le disais, rien n'est fermé pour personne. Après, vous savez, quand on en met un dans la liste, on doit en sortir un. C'est le principe d'une liste de sélection. C'est ce principe-là. D'accord. Aujourd'hui, imaginez-vous si je prenais 23 joueurs. De la liste que je vous ai donnée, je devrais en enlever 4 encore. J'aurais la même question pour 4 de plus, en fait. Parce que tout le monde a la capacité, en fait, réalité intrinsèque, de venir aider la sélection. Voilà. Mais après, il y a des opportunités qui se font. Il y a eu un démarrage
qui s'est fait avec un nouveau coach, avec des positions extérieures qui fonctionnent bien. Personne n'attendait un joueur comme Théo Bombonda, par exemple, sur cette, quand je suis arrivé sur cette position-là et au final. Et voilà, donc y a la sélection vie, c'est la même chose, sur la même réponse que j'ai fait sur l'aspect défensif des choses. Mais notre rôle aussi, c'est de pérenniser cette performance. Le jour où on s'aperçoit qu'on a des besoins qui répondent à des qualités de joueurs qui sont venus avant ou pas, ou qui sont locaux, nous, peu importe l'histoire du joueur, nous, c'est un, l'état d'esprit. Ça, là-dessus, j'ai pas de problème avec, soit avec les joueurs que vous avez cités, il n'y a pas de souci, ils ont un très bon état d'esprit. Et puis après, de s'adapter à ce que je vais pouvoir demander. Aujourd'hui, il y a un contexte qui fait que on a fait venir certains nouveaux joueurs comme Balik Wisha, comme Silas, qui a fait sa première sélection avec moi, qui joue à ces postes, qui peut jouer à ce poste-là, ou Bogonda sur le côté. Hein, enfin bon, bref. Donc, fait que, à un moment donné, il y a un contexte qui fait que c'est pas possible actuellement. Voilà. Ce contexte-là, est-ce que ça sera le même dans quelques temps? Ça, je peux pas le dire. Ce que je peux simplement répéter, c'est que ceux qui vont être ici, et notamment les 41 présélectionnés, si ça continue à fonctionner et à progresser, auront plus de chances d'être sélectionnés que les autres. Mais bon, ça, c'est une évidence. Voilà. On peut terminer trois questions. Trois questions, s'il y en a. Les micros pour le YouTube. Je m'appelle le coach Moukeba Michel Dédonné. Je suis parmi les techniciens du staff qui ont formé Tidiaba et Tchouloula qui sont à l'HC. Ici, j'ai fait une remarque. C'est une remarque que j'ai faite. C'est que j'ai observé lors de notre dernier match du championnat à Prague. J'ai remarqué une petite erreur au niveau de la défense lors de l'incursion de André Aubameyang. Est-ce que la défense sera-t-elle préparée pour contrer des actions comme ça? Parce qu'on a risqué d'encaisser un but. Heureusement, le ballon est passé à côté, le poteau gauche. Est-ce que notre défense, vous en tant que technicien, vous ne pas essayer de nous préparer les joueurs de répondre favorablement à de telles instructions? Parce qu'il y a des surprises au niveau de la défense. Il y a des attaquants qui sont très rapides et qui connaissent bien l'intervention d'une défense. Ok, avec une passe longue, on risque d'attraper les joueurs. J'ai remarqué ça deux fois de telles erreurs. Ok, merci. C'est bien parce que ça permet aussi d'avoir parlé football et ainsi de suite. C'est vrai que vous avez raison, sur deux, trois situations, on a été mis en difficulté au Gabon. Mais ça reste, on va dire, un axe de progression, bien sûr, comme je le disais, parce qu'on n'est pas les meilleurs du monde, hein, loin de là, donc on peut faire des erreurs. On a eu ce jour-là la capacité à ne pas prendre de but, parce que c'est ce que je peux retenir, moi. Alors, c'est qu'on a gagné 2-0 au Gabon. Dans ce contexte qui était très délicat là-bas, c'était sûr qu'ils allaient avoir des occasions, c'était sûr que nous, on allait en avoir aussi. Parce que s'ils nous ont mis en difficulté, on les a mis en difficulté aussi. Et on a été plus réalistes qu'eux, en fait. Hein, parce que sur le match, c'était un match d'un très bon niveau africain. Bon, alors, vous l'avez certainement regardé à la télé, peut-être certains journalistes étaient sur place. Mais c'était un match d'une très très bonne intensité, avec de très bons joueurs sur le terrain. Et moi, mon équipe, quand elle gagne ce genre de match, je me dis c'est bien pour la suite, parce qu'on a été assez solide. Mais il y a des choses qui doivent être améliorées, c'est ce qu'on va s'attacher à faire sur les séances du stage avant le match du Soudan. Et je soulignerai quand même que Aubameyang est un très très bon joueur. Là, je retourne pour le compte de l'Europe de l'Occident. Je voudrais intervenir sur les mercato. Est-ce que vous intervenez au moment des choix des joueurs par rapport au club?
Alors, oui, certains joueurs m'appellent pour m'appellent dans une relation de conseil pour avoir mon avis. Beaucoup m'ont appelé, parce que, comme je le dis, il y a une synergie de confiance qui se fait, il y a une bonne ambiance, on échange beaucoup entre les joueurs, le staff. Donc oui, il y a des joueurs qui m'ont appelé pour me poser la question, pour avoir des conseils. Maintenant, je ne rentre pas eux dans leur décision finale. Moi, un joueur, quel que soit le championnat dans lequel il joue, s'il répond à mes attentes, s'il est performant, j'ai la chance d'avoir entraîné aux Émirats, d'avoir fait des stages en Arabie Saoudite, ce sont des bons championnats. Prenez l'Arabie Saoudite, c'est un bon championnat. Les Émirats, les matchs de haut tableau, parce que c'est vrai que c'est pas le même niveau non plus qu'en Europe, mais ce sont des matchs de Coupe d'Asie sont des bons matchs. De bon niveau. Voilà, mais pour répondre à votre question, oui, mais dans une relation de conseil, pas dans une relation de dire je vais là-bas, est-ce que je vais plus être sélectionné. Non, ça se fait pas. Mais régulièrement, je les ai au téléphone, donc tous ceux qui ont bougé, pas tous bien sûr, mais la plupart de ceux qui ont bougé, je les ai eus au téléphone, après ceux qui font leur choix. C'est vrai qu'il est titulaire à deux attaquants avec Mbeumo dans un système à 5 ou à 3 avec Brentford. Il fait des belles performances. Il y a une belle entente avec le Camerounais Mbeumo, qui est aussi performant sur le début de saison. Après, de là, vous dire que si je vais le mettre titulaire là, on va attendre, on va laisser voir les choses. Et puis on verra à quel poste il joue, on verra s'il joue. Mais pour l'instant, je ne peux pas. Mais c'est ce qui est bien, ce qui est super avec Johan, c'est qu'il est plein d'énergie dans la sélection. Il veut toujours bien faire, il veut défendre à fond, comme tous. Les couleurs du Congo, vous le mettez milieu gauche, il donne tout. Vous le mettez devant, il donne tout. Vous le mettez remplaçant, il rentre, il donne tout. Lui, ce qu'il veut, c'est aider la sélection et le pays, quel que soit. Mais pour un sélectionneur, ce qui est top, c'est de pouvoir l'utiliser à différentes positions, attaquant. Voilà. Parce que contre le Gabon, il a été seul devant. Pas souvent, il a joué seul devant. Alors c'est vrai qu'avec sa vitesse, c'était intéressant de le mettre là, surtout quand on se faisait un petit peu pressé par l'équipe adverse. Mais il a fait un gros travail. Alors, c'est vrai qu'il n'a pas éliminé, il n'a pas marqué, mais il a fait un gros travail pour qu'après Mayele puisse finir. Donc ça, c'est des questions qu'on se posera avec le staff en fonction de l'option de jeu qu'on prendra contre le Soudan, que ce soit deux attaquants, un attaquant, trois attaquants, du genre de couloir, on verra. Dernière question. Alors, coach, je l'ai dit encore, c'est Gilles Davis Coupa pour le paramètre foot. J'aimerais que vous donniez votre avis par rapport au mercato congolais. Parce qu'il y a certains joueurs congolais qui bougent d'un point à un autre. Il y a Guillaume Omonda qui a signé à Spartak Moscou. Vous venez d'évoquer d'ailleurs Moussamba qui est parti après. Également, Michel Guilla qui pourrait signer d'un moment à l'autre à Montpellier. Votre avis par rapport au mercato congolais, des joueurs qui bougent d'un point à un autre? Vous avez Mayele qui est parti à Pyramide, vous avez Kaloulou qui a signé au Partizan de Belgrade. On doit bien en oublier encore un ou deux, mais ça, c'est la vie d'un footballeur aujourd'hui. Cédric Bakambu. Ouais, Cédric qui en a fait deux, lui.
Tac, tac, il a fait deux. Non, après, ça c'est la vie des joueurs de foot. J'ai pas forcément d'avis à donner. Je leur donne mon point de vue. Moi, mon point de vue. Après, il y a des éléments que moi, je connais pas. Hein. C'est tout ce qui peut être extra-sportif, contrat, durée, argent, tout ça. Donc aujourd'hui, c'est vrai que c'est les joueurs, mais que ce ne soit pas que nos Congolais, que ce soit tout le monde, il y a à un moment donné un choix à faire entre soit le choix sportif ou le choix financier, et quand vous pouvez faire les deux à la fois, ben, c'est ça qui est merveilleux en fait, parce que c'est un métier, c'est ce qui les fait vivre, et puis qui les fait vivre 14 ans, allez, 14-15 ans, c'est tout. Après, quand vous en avez 32, il faut aller jusqu'à 90. Hein. Donc, j'espère, 90 ou 100 même. Mais je veux dire, donc il y a des choix à un moment donné, et c'est vrai qu'on s'aperçoit qu'il y a certainement les plus anciens font certainement un peu plus de choix sur la partie financière que sportive. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, c'est comme ça. Moi, ce que je vois en tout cas, c'est que les joueurs qui sont sélectionnés, ou même qui sont au bord de la sélection et qui étaient présélectionnés, jouent dans des grands clubs. Et c'est ça qui est intéressant pour nous. C'est la seule chose. C'est ça qui est intéressant pour nous. Et donc, voilà, à nous de mettre ça au service du collectif et puis d'être vaillants, rigoureux, très motivés pour faire plaisir aux fans le 9 septembre. Merci. Merci. Si vous avez besoin de photos, c'est à l'extérieur avec les coachs. Merci. C'est bon, merci. Hein. À bientôt. Merci.